Yo YouTube, aujourd'hui, nouveau concept. Les gars, c'est très simple, on commence à partir de maintenant. Première manche, c'est ça? Ouais, il y aura deux rounds de quatre manches. Voilà. Tout d'abord, le cache-cache se déroulera en deux manches différentes. Dans la première manche, il y aura trois parties de cache-cache. Dans chacune de ces manches, les chasseurs devront trouver le cachet et celui qui trouvera le cachet gagnera un point. Celui caché devra tenir le temps de 15 minutes. À la fin de ce chrono, le cachet gagnera la manche et donc un point. Les cachés ne pourront en aucun cas quitter leur plan. Pour terminer, les chasseurs auront des malus et pas n'importe lesquels. Bon visionnage. On commence maintenant, mettez votre like, mettez en commentaire tout ce que vous voulez qu'on fasse, des 24 heures aussi de survie avec eux peut-être. Non, toujours pas ça. On est 4 en tout, il y a le mec derrière la cam que vous le connaissez, bref, on n'a pas besoin de le présenter. Ici nous avons Mirza, un joueur pro sur Call of Duty. Pas vrai du tout. Ici on a Manchu, pro gamer dans tout ce qui est virtuel, etc. Il y a du vent donc faites gaffe à ma cam d'ici, mais bref, c'est pas grave. Faut cacher. Vas-y, continue. Bref, première manche, maintenant, let's go. Je vais aller me cacher en premier. Ils vont faire un mini-jeu pour savoir les gages qu'ils vont avoir, pour savoir qui va compter ou quoi. Non, en fait c'est tout, c'est ça le concept. On va faire un mini-jeu. On est trois chercheurs et parmi les trois chercheurs, il y en a deux qui vont avoir un malus. On va piocher un malus au hasard et il y aura deux des chercheurs qui seront du coup en malus. On va faire le petit mini-jeu maintenant et on va voir ce que ça donne. Okay, let's go. Nous, on va partir. Préparez-vous. Peace. Tu pioches une carte et t'as le droit de changer si tu veux. Ah ouais, sur des billets de 500. Genre, ouais, c'est des vrais. Tu peux la regarder? Non, regarder, non, sans la regarder, tu peux changer. Celle-là, vas-y, prends celle que tu veux, je m'en fous. Et moi, tu peux la regarder ou pas? Bah, sauf si tu veux la changer. Tu peux pas changer. Et moi, j'ai pris. On retourne. Celui qui a la plus haute valeur, il a pas de malus. 3, 2, 1. Pas de malus! Attends, du coup, pas de malus! Il y a 6 malus. 6 malus différents, vas-y, fais-nous. Je suis en pioche au hasard, vas-y, je commence. J'en ai 2. Est-ce que t'attends pour l'ouvrir? Vas-y, je t'attends. Vas-y, moi, j'ouvre. Viens! C'est quoi? Transporter un objet encombrant, s'il tombe, je m'arrête. T'as un casque? T'as un casque? Ouais, du coup, mais c'est un casque quoi? C'est un petit casque, c'est pas. Ah, un casque! T'entendras rien du tout, frérot! Ah ouais? T'entends rien du tout! On entend rien! Et moi, l'objet encombrant, si je dois me promener avec ça, si elle touche une fois le sol, je dois m'arrêter 10 secondes sur place. Donc je peux pas la faire tomber. Donc voilà nos défis. Toi, tu vas te cacher. Lui, il a rien, tu as malus, donc il a plus de chance. On te laisse 5 minutes pour te cacher et on a 15 minutes pour te trouver. Ok! Let's go! Ok, la partie elle commence. Vous êtes des merdes. Ok, bon les gars, le concept est très simple. Faut que je trouve une cachette potable. Maintenant le problème c'est comment trouver une cachette potable. C'est que on n'a pas beaucoup de temps hein. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, il faut vite que j'aille me cacher. Donc là les gars, je suis en train de courir. Je suis en train de donner ma race pour courir. Pour pas être avec eux, je vais démarrer par là-bas. Ah, okay. Je vais directement dans la forêt, on sait jamais, parce que je suis 100% il est là-bas, donc là on va bientôt courir. Du coup, nous on est l'équipe des malus. Je me retrouve avec une pompe à trimballer, et si je la fais tomber, on doit s'arrêter. Et avec ça. Du coup, que je pars faire un event de gaming. Je suis ses oreilles du coup, je suis ses oreilles. Et moi je suis... Ça va être drôle. D'ici 5 minutes, on va aller chercher l'autre qui s'est caché, et là 5 minutes pour se cacher dans la foule. Dans cette énorme forêt, on voit rien du tout. J'ai trouvé l'endroit, je sais où je vais aller. Je vous jure, normalement, c'est bon. Il y a des rousses partout. Il y a tout moment, je me fais attaquer par un ours. Les gars, regardez, caché derrière ce truc. On arrive! C'est parti! On est là! Allez, c'est parti, équipe. Du coup, la consigne est simple, on a 15 minutes pour aller le chercher. Lui, de toute façon, il entend rien. Il a 15 minutes pour aller le chercher. On a 15 minutes pour aller le chercher. L'équipe qui le trouve, du coup, on est deux équipes. L'équipe qui le trouve gagne un point, marque un point. Et on n'a pas le droit de courir avec nos malus. L'autre est déjà dans la forêt, donc on va pas perdre de temps. Allez. Là, les deux pélos, là, ils sont partis de l'autre côté avec leurs deux malus. Un qui entend pas et l'autre qui a sa pompe en place. Je comprends pas ce qu'il va faire avec. Sérieusement, on voit rien du tout. Une forêt. Ils sont en train de faire les macaques. Je crois que je l'ai, les gars. C'est quoi ça? C'est un mec derrière un arbre là? Attendez. Aïe. Oh non, l'arbre! Wesh, attends, c'est lui non? Ah non, c'est pas lui. J'ai trop cru, c'était juste. C'est juste un petit buisson. Mais le buisson, il sent tellement sombre que j'ai trop cru que c'était lui. Les gars, je dois tenir peu de temps. Je vous jure, normalement, je dois tenir vraiment beaucoup de temps. Peu de temps, j'arrive plus à parler, j'ai froid. Attendez, y'a pas moyen que j'arrive à mettre là dans les ronces. Moi, je suis mort. Ok. Je suis caché. Il y a une rose qui m'a piqué le cul. Elle m'a défoncé le trou de balle. Elle m'a défoncé le trou de balle. Franchement, il entend rien. Cette pompe, elle commence déjà à me saouler alors que ça fait 2 minutes qu'on a commencé. On est en train de zioter partout. Thomas, on arrive! Et en plus, je suis tout seul là, alors que les deux sont en train de s'amuser tout seuls. Ah non, ouais. Ils sont deux. On va voir le dégâtier, on va regarder un petit peu d'un coup. Et je vais rentrer dans la forêt du coup. Donc on est tous les deux ensemble, mais on tient pas ensemble. Non, on fait une équipe. On va gagner les points ensemble de toute façon. Normalement, l'équipe c'est moi, je te propose, viens, on s'enfonce. Ouais. Les gars, on va s'enfoncer genre par là. Ah, c'est des ronces.
par là. Ah, allez, on y va. Là, on arrive. Attention, comme on voit ici, sur une petite rue, enfin une allée. Donc là, je pense que je vais un petit peu encore m'enfoncer par là-bas, un peu plus loin. Et on va essayer de le trouver. Hein. Je vais rentrer dans la forêt plus loin, du coup. Donc. Je crois qu'il s'est fait mal. Il est là. Non, il est pas là. On va rentrer ici. Ça, on est. Hop. Ah. Je suis accroché par les ronces. Les gars, je crois que je suis sur une piste. Absolument pas. Plus je me rapproche et plus je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Ah, ça pique. Là-dedans, mais non, en fait, non. Mais faut pas oublier qu'il avait le droit de courir, lui. Ah oui. Hein, c'est vrai qu'on a pas regardé. Ouais, non, mais dans les arbres, c'est chaud. C'est des... Donc en vrai, moi, je propose qu'on aille un peu plus loin parce qu'il avait le droit de courir. Donc, ouais. Moi, je propose qu'on s'enfonce un peu plus par là. Ouais, c'est vrai. Oh non, il y a de la boue là devant moi. Ça va aller, tranquille. En fait, je suis déjà dans la boue, mais tranquille quand même. Regardez là, là, on voit les deux zigotos là-bas. Là-bas, là. Je sais même pas si on les voit, ils sont là-bas. Les gars, on a peut-être trouvé la cachette. Là, on envoie l'inspecteur Mirzo, gradé. Gradé de père en fils. Je sais pas. C'est quoi les grades à l'armée ? Je sais rien. Sous-chef adjugant. Voilà, gradé Mirza. Ah, fils de sa pique ! Bon, je me suis enfoncé, mais ça a pas conclu à grand-chose. Hein. Du coup, on est au même niveau, ils avancent en même temps. J'essaie d'aller plus loin, mais putain, les ronces, ça pique ! Y'a que ces ronces partout. Fils de... Donc là on cherche toujours, on a une nouvelle, à 5 minutes, on aura droit à un cri. Moi ça va me servir à rien parce que j'entends que dalle. Mais mon coéquipier Mirza, lui il pourra justement nous dire un peu où il a entendu le cri. Mais là les gars c'est moi qui le trouve. Oh le trou, oh le giga trou. Oh, attention, je peux pas vous... toujours à ma gauche tranquille, ils sont un peu là, un peu plus là. Ils sont en train de faire, je sais pas, des recherches archéologiques, je comprends pas trop. Ils sont en train d'essayer de scanner la zone. Donc moi du coup je me suis dit je vais pas avancer. Bon moi ici aussi. Vu que c'est un peu dégagé, je reste un peu sur la route, enfin, le sentier. Et on va voir si je le trouve. Je suis dans les ronces. Mais la ronce elle me rentre dans le trou. Les gars je vous jure la ronce c'est une grande histoire d'amour là. Mais la ronce elle me rentre dans le cul. Oh, ils sont là. Je sais même pas s'ils ont commencé à me chercher. Ah si, ils ont commencé. Ouais, je sens que je m'approche là. Pas du tout, pas du tout. Qui sait, il est à l'opposé, il est chez nous. Là il est assis à notre corps là. À tout moment il est assis à notre corps, il est en train de discuter tranquille et tout. Thomas, je vais te trouver. Je vais te trouver. Ouais, sans déconner. Là c'est impossible qu'il s'est caché là. Là c'est des ronces qui arrachent. Il est pas ici parce que ici c'est trop. Ouais mais ici c'est trop à couvert, tu vois, on le verrait trop vite. Bon du coup j'ai essayé de m'éloigner un petit peu d'eux. Là je suis bien plus loin, je suis arrivé à plus ou moins sur un carrefour et une petite cabane aussi. Je me dis peut-être qu'il serait là, mais la cabane en vrai est inondée. Donc je doute qu'il soit là, hein. Clairement pas. Alors je doute qu'il soit rentré dans l'eau là-dedans. Mais non, c'est jamais. Thomas t'es là ? Thomas ? Non non, je doute qu'il soit devenu un crapaud ou quoi, donc je pense pas qu'il soit là. Donc on va continuer à chercher. On a trouvé je crois des indigènes là-bas au loin, il y a une cabane. J'ai peur d'une chose, c'est qu'on vienne me manquer. Mais mec, imagine il y a des gens chelous. Alors sachez une chose, hein, c'est que si vous ne revoyez pas ces rushs, c'est qu'il s'est fait manger, je suis parti en courant. Oh le bâtard. Et si vous voyez ces rushs, c'est que je me suis fait manger et qu'il est venu reprendre l'hôtel. Il n'y a aucun cas où il s'échappe. Il y a aucun cas où je survis. C'est nous, c'est notre plan, ah ouais mais il était super vite. Le problème là c'est qu'on est arrivé à un endroit genre bon c'est un peu la limite de la zone. Donc est-ce qu'il serait parti là-bas? Maintenant combien de temps il nous reste, j'en sais rien. J'ai pas vraiment regardé l'heure. Donc du coup on a dit que ça finit à 30, il est 24. Donc du coup ça va, il va plutôt crier. Il me reste combien de temps là? Il me reste combien de temps avant que je gagne les gars? Les gars, 10 minutes. Est-ce que je vais mourir? C'est en fait la question que je me pose. Est-ce que je vais crever ici? Là, imagine en fait il y a quelqu'un qui habite là-dedans. Il y a une antenne comme dans le mode zombie. Et la vie de s'il y en a un qui sort de là, comment je trace mon sac, mes clics et mes claques. Mec, s'il est où on était à la base, on a perdu. Ils me répondent. Les gars, je vous jure, je les entends. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Mais wesh, il y en a plus en plus ou quoi? Pourquoi vous me regardez? Arrêtez de m'attaquer. Il vient crier, on l'a entendu. Il est quasiment à notre spawn, j'ai l'impression. On l'a entendu de si loin. Bon, c'est super drôle parce que on a eu l'appel, donc il a crié. Mais la seule personne qui est pas censée l'entendre, c'est lui. Mais moi non plus, je l'ai pas entendu. Alors que j'ai les oreilles bien ouvertes, tu vois. Donc, enfin voilà, on est venu par là en face. Certains, viens. On a entendu, Il y a la bête sauvage qui est par là. On le chasse. On le chasse en marchant. Mais on le chasse. Thomas, c'est toi? Je l'ai. Oh, j'ai failli tomber, attention. Je l'envoie. J'étais sûr qu'il était par là. Il est où? C'est la course à celui qui va le plus vite, qui marche le plus vite. Et là, l'autre, l'adversaire, il marche très vite. Je les vois. Est-ce qu'il m'a vu? Il m'a pas vu. Je ne serai pas vous montrer à la cam, parce qu'il est super loin. Mais je vous jure que je le vois. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça pique pas, ça va, t'as pas mal? J'ai trop mal à la cul. Il y a une ronce depuis tantôt, elle me rentre dans le cul, ça va. Je suis en train de crever depuis tantôt, il y a une ronce qui me rentre dans le cul, fou. Incroyable, du coup, cachette, incroyable, pas du tout, il est juste dans les ronces, le pauvre. Ouais, c'était limite, j'ai gagné du coup, let's go. Le point est pour moi. Alors que les deux là, ils ont regardé, ils ont fait bip bip bip, là ils l'ont même pas vu. Franchement, honteux de leur part, quoi. Red
vous avez vu qui a gagné la manche, j'ai pas besoin de le dire, il est derrière la caméra. Bâtard. Round 2. Round 2. Donc pareil, 3 joueurs, 2 malus. Les 2 malus vont jouer ensemble. Vas-y les gars, faites-vous plaisir, prenez de l'or. Honneur à toi. Bon, vas-y, hop. Si tu penses que ta carte n'est pas bien, tu peux la changer. Tu l'as aimé, tu l'aimes bien, tu l'aimes bien. Je l'aime bien. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ah, attends. 3 2 1. Alors, bien évidemment, les mêmes malus peuvent retomber. Les mêmes malus peuvent retomber. Bah oui, j'en ai fait que 6 à un moment donné. Je prends en premier, je prends en premier. Attends, je les mélange juste. On prend que 1. Ouais, que 1. Viens, enfin, je pioche, je lis le tien, tu lis bien. Oh, ok, ok, le concept. Waouh, Inception. Il est chiant. Porter un sac à dos de 10 kilos. Ah, oh, le bâtard. Ah, celui-là, il est bâtard. Ah, celui-là, il est relou. Et toi, c'est porter des lunettes spéciales pendant la recherche. Les gars, vous avez les pires. Le sac de 10 kilos, c'est pour qui? C'est pour moi. Mais t'as mis quoi dedans? Il y a 2 poids dedans. Bah si, c'est lourd de fou. Attends, les lunettes. Ah, ça fait mal à toi. Attends, les lunettes sont pas encore évaluées. Il y a juste 2 petits coups. Montre-les. Mais quel fils de pute. Vas-y, attendez, je vais les mettre en direct. Vas-y, attendez-moi ça. Regardez bien. Putain, je vais au ski, mais amazing, oh. Regarde-moi ça. Oula. C'est abusé ou ça va? Non, franchement, ça va. Sinon, on peut en enlever. Franchement, reste comme ça. Encore les trous, tu les as fait larges quand même. Ouais, j'ai fait exprès. Faut quand même que ça soit chouette. Les lunettes. Un style de foot, moi. Putain. C'est là, bon. Là, j'ai l'impression de revenir en 6ème. À Saint-Luc, tu sais que ton sac où t'as 15 cours, où chacun a une phare de 15 kilos. Oh, je suis heureux. Putain, bâtard. Il fallait vraiment que moi j'aille ça et que lui il aille ça, quoi. Vous avez les deux. Bon, il dit bâtard. La deuxième manche va commencer. Trop bien, la deuxième manche va commencer. Je parle du nez. Parce que là j'arrive plus à parler. Deuxième manche va commencer. Il va aller se cacher. J'y vais. Bref. Il est 38 à 42. Cours, astérisme. Bref. Du coup, let's go, je cours là. J'ai 43 pour me cacher. Je sais pas où aller, les gars. En vrai, la cache de Thomas est pas mal, mais j'y retournerai pas. Déjà, ils sont encore là-bas. Le problème, c'est que c'est pas très grand là-bas à gauche. Et j'ai pas trop envie d'aller là-bas. Ce que je pourrais tester là, c'est de revenir au spawn en vrai. Et de là au fond. Pour essayer de les bait. En espérant qu'ils me trouvent pas si vite en fait. J'ai 43, j'ai 38. On est parti. Comme dans Pattaya, t'as vu. Yeah. Brécier. On se retrouve quand j'y suis. Bon, je suis caché, pas très bien. C'est pas la meilleure. Normalement, eux, ils sont quasiment là devant. Genre, ils sont par là-bas. Quand ils vont démarrer, j'espère qu'ils passent devant. Je crois qu'ils me voient. Regardez qui est levé. Et dans combien de temps il démarre, du coup? Donc, les gars, là, il est 40. Du coup, il me reste 3 minutes pour qu'il vienne. On est parti, on va le chercher. Moi, je suis en train de voir. Eh, franchement, je vois en 4D. Je vous jure, je vois en 4D. Jason, ça va ton sac? J'ai mal au dos. Bon, let's go. Bon, les gars, c'est parti. Ouais. Du coup, je suis l'équipe en solo parce que moi, j'ai pas eu de malus. Je sais que mon frère, tu vois, avec ses. Il est parti dans cette direction, je le sais très bien. Ouais, du coup, moi, je vais partir dans cette direction. Les deux autres pélos qui ont les malus, ils partent dans l'opposition, dans la direction opposée. Moi, je vais directement dans la forêt. TLB Grills. Big Grills. Yes, it's me. I'm going in the forest. Je crois qu'il vient de démarrer, donc il faut faire attention. À pas faire trop de bruit aussi, du coup. Putain, je vois rien, je vous jure, les gars, je vois rien. Là, déjà, j'arrive même plus à cadrer. Je suis perdu. Je ne cadre plus. Les gars, je vous dis, je comprends rien. Là, la broche. Fais pas la folle avec moi. Heureusement, on a la contrainte de pas courir. Parce que déjà, en marchant, je suis épuisé. Alors, si je commençais à courir, ça allait être une dinguerie. Ça allait vraiment être une dinguerie. Donc, allez, bisous les loulous. Mansour, où es-tu, Mansour? Mansour, je vais te trouver. Mansour. Putain, les gars, en plus, moi, je vais vous dire un truc. J'ai des yeux trop, trop chauds, de base. J'y vais de base. Mais là, ça devient vite compliqué. Mansour. Mais à droite, mais il y a Mirza à droite. Je pense que je suis bien là. Parce qu'en plus, il y a deux malus, bien sûr. Il y en a qui arrivent. On va essayer de rester là, plus discret possible. Je les vois, il y en a devant moi, c'est celui qui a pas le malus, il est devant moi. Genre franchement sans déconner, il y a quasiment 10 mètres de moi, je reste caché. Hey One Will, fuck you One Will. Moi, je suis parti en randonnée là les gars, j'ai quitté la forêt, je suis en train de passer ma meilleure life. Je suis sur un puissant tueux, tranquillou, avec bien sûr les vêtements dégueulasses. Je suis en train de passer ma meilleure vie, je zioote un peu à gauche à droite si je vois un petit corps humain qui dépasse. Et à tout moment je crie quoi. Imaginons, on se fait attaquer. Moi, je suis dans la merde. Ah, mais toi, tu cours. Ouais. Tu cours. Toi, tu cours. J'ai confiance envers ta morphologie pour courir là et pour être le coureur. Je sais pas. La diversion. Putain, je vois rien. Les gars, je vous jure, je vois rien. Je vais aller tout moment, il est dans un arbre. Viens, on y va, viens. C'est le moment de déstabiliser l'ennemi. Je vais vous montrer mon arme ultime. Je vais montrer mon arme et je vais leur jeter dessus. Ils vont croire que c'est un animal, ils vont avoir peur. Regardez. L'arme du crime. Ils sont juste là-bas derrière, regardez dans les arbres. Là-bas, vous les voyez là-bas. Viens, suis-moi. Aïe.
Quoi? J'ai de me faire piquer là. Impossible, comment il a fait? Attends, il est à côté, je suis pas. Je sais pas, viens, suis-moi. J'ai une intuition. À mon avis, on va être perdu. N'arrive! Non! Y'a personne. J'ai jamais de la vie, ils verront. Genre jamais. Ils sont partis à l'autre bout là. Donc là, dès qu'il est tout, je crie. Ah bah voilà. Coucou, coucou! On verra bien s'ils l'ont entendu. Je crois ça fait déjà 10 minutes, je l'ai entendu crier. J'ai l'impression que ça revient de où on vient, en que cet enfoiré. Il s'est caché pas très loin. Donc là, on va retourner sur nos pas. Moi, je vais retourner où, eux où ils étaient. Parce que je pense qu'ils sont pas bien cherchés de leur côté. Parce que même à deux, ils sont nuls en fait. 3 minutes! Oh putain, il reste 3 minutes! Attends, on a viens! Il est derrière toi! Il est au fond, derrière toi, Mirza! Il est pas chez nous! Il est pas chez nous! Ah! La branche est en train de me défoncer ma gueule! Je les entends crier. Va parler. Ouais. Il y en a qui s'approche de fou. Non, ils arrivent, ils me voient pas, je les vois pas. C'est pas vrai? Ils me voient pas. Il me verra pas. Je suis un arbre. Je suis une branche. Il m'a vu, je crois. Non, c'est pas vrai. Si je bouge pas, il me voit pas. Je suis une branche d'arbre, regardez. Vous me voyez, vous? Non, vous me voyez pas. Moi, je suis caché. Je suis une branche d'arbre. Il me voit pas. Y a moyen que je sois là-dedans. Je vais pas aller m'aventurer. De toute façon, il nous reste quoi, 3 minutes? Et je reviens pas. Faut tirer à ma famille que je le sème. Ah bah, il reste 4 minutes. Alors déjà en journée ça me fait stresser dès que j'entends un petit bruit. Une petite branche qui frotte, un animal qui passe d'un arbre à un autre, comme là ce que je viens d'entendre. Là de bruits qui font stresser comme ça. Alors je me suis imaginé, on fait ça de nuit. Tu imagines un peu le stress? Non merci en fait, moi je suis très bien comme ça. Je bouge pas et les gars il est juste à côté je crois. Franchement, il est juste à côté, genre il doit être là-bas plus loin. Là en face de nous. C'est lui. Non, je bouge pas, il m'a pas vu. Je sais pas, il est où? Il est où? Non, je bouge pas, il m'a pas vu. Bouge pas, il m'a pas vu. Si je bouge pas, il m'a pas vu. Pourquoi je le vois pas? Si je bouge pas, les gars, je suis une branche. Il me va être un. En plus, je crois que c'est les deux avec les malus. On va s'approcher de la cible. On s'approche doucement. Aïe! Putain! Pardon, suis-moi. Mansour! Aïe, Mansour, on t'a vu, Mansour, si tu... Regardez-le, s'il vous plaît. J'en ai ça. Regarde, je vous jure, ce truc-là, ça a vraiment été la pire chose de toute ma vie. J'ai cru que j'allais gerber 90 fois. On commençait à halluciner, on entendait des bruits. Et à un moment donné, on se dit... Mec, à un moment donné, on est à l'autre bout. À un moment donné, t'as crié très tôt quand même, non? J'ai cru que j'allais crever. Mec, à un moment donné, je dis comme ça à Thomas, je dis tôt, il est derrière nous. On l'a eu, les gars! Ah! Alors, je viens d'entendre, on l'a eu! Je me dirige vers les bruits. Oh non, il y a trois. Je suis à zéro poids toujours. Genre zéro comme les nuls. C'est moi. Mais non, vous l'avez trouvé? Et le temps? Tiens, regardez-moi, c'est winner. Les gars, on l'a trouvé. On a des points et l'eau de Mirza, zéro. Prochaine manche. Les gars, seconde manche. Bref, Mansour. Troisième manche. Je suis déjà plus là. Bref, les gars, ce type-là, il est fou. Ça va? Il a pas gagné, mais je vous jure, il méritait de gagner pour moi. Bref, seconde manche. On est parti, on va tirer au sort. Let's go. Tiens des. Prenez. Je pense à là. Et moi, je réfléchis pas. 3, 2, 1. Tellement les nuls, on a le malus tous les deux. Non, on est nous deux ensemble. C'est A ou c'est le max? C'est maximum ça. Okay, bah ça bon, on va plus. Jamais de malus. Espèce de bâtard. Je pense que les pires ils viennent de passer. Ouais, mais non, il y en a, il est pire. Vas-y, je prends en premier. Vas-y. Il y en a, il est pas encore passé, c'est le pire de tous. Si t'en as deux, on en a, t'enlèveras. J'en ai un aussi. Vas-y. Lui en premier. Mais putain, c'est celui que je voulais pas. Commencez les deux premières minutes à reculons. Je dois commencer en marche arrière, moi. Mais tu seras avec moi, tu vas pas me laisser. Non, j'ai pas laissé. C'est celui-là, je crois. Non. Il est encore. Le sac de 10 kilos. Porter le sac de 10 kilos. C'est fini. Regarde, on est fini. Ellie, mais toi, t'as le droit de marcher en avant. Ouais. Bon. Il marche en avant, il marche en plus. Let's go, il est parti. Ça va commencer maintenant. Ok, les gars. Là, on part. J'ai aucune idée de où je vais me cacher. Mec, je fais 1m92, les gars. Ça veut dire que je suis 1m92, je suis pas du tout camouflé, je suis en noir, il fait jour à mort. Alors, la question, ça va être, où est-ce que je vais me cacher? Les gars, on va bientôt partir, je dois me rapprocher de lui parce que... Et moi, dans l'histoire, Oh ouais. Putain, il marche bien le téléphone, hein. Eh,
Samsung qualité, achetez. Moi je vous dis un truc là. À l'heure actuelle, dites-vous bien une chose, c'est que là, Mirza il doit marcher en arrière pendant 2 minutes. Je vous le dis. Moi j'ai des nausées depuis que j'ai mis le masque. Donc je suis en mode bon, on essaye de survivre. Et maintenant j'ai un sac de 10 kilos. Le truc rouge qui est derrière vous. Qui est derrière moi carrément, pas derrière vous. Là on doit trouver le GMK de Belgique. On doit trouver un géant. Normalement il a pas pu monter dans les arbres. Je vous le dis, c'est pas possible. Impossible. Par contre, je me suis ramassé la branche dans la gueule. Oh, comme c'est beau. C'est vraiment la marque de la branche. Oh, oh. Bref, c'est parti, let's go. Je suis trop con, pourquoi je passe par là? Regarde, c'est ma BAD plus simple. Et moi, je passe par le chemin compliqué là. Je prends le chemin compliqué direct. Non, mais j'abuse là, j'abuse. Faut que j'arrête, les gars. On essaie de respecter les arbres aussi. Les autres sont toujours là. Ils font ça en marche arrière. Pendant quasiment les 2 premières minutes, on les voit partir là, ils partent. Dites-leur au revoir. Ça va, tu t'amuses bien toi? Ouais. Ça va, d'où ça va, ça il va. Marche bien à reculons. Et si je me cachais là-dedans? Là, il y a des saloperies de ronces, mais en vrai de vrai, viens, je me cache là-dedans. Je mets ma petite capuche comme ça, tranquille. Maintenant, j'espère que c'est dans les délimitations. On n'a pas vraiment fait de délimitation, donc je sais pas trop. Aucune vue sur l'extérieur. Je sais pas du tout s'il me voit facilement ou pas. Moi, j'ai ça comme vue là. Je vois rien du tout. Je sais pas, regarder un peu dans mes alentours, voir si je le trouve, hein, mais je pense pas qu'il serait caché aussi. Je crois qu'il l'a trouvé? Non, il l'a pas trouvé. Non. Il est dur en marche arrière. En vrai, là, il y a plein de bois là devant moi. Il y a moyen qu'il soit là. En fait, c'est plein de bois bizarrement posé. Donc, on va check à côté. Maintenant, je sais pas, peut-être que c'est un arbre qui est tombé. On dirait qu'il y a un trou en face au milieu. Donc, on va aller check ça. Je pense pas qu'il soit dedans, mais on sait jamais. Il est chiant. Je peux plus le voir. Il est chiant. Je vous jure, il est casse-tête. On est là en train de marcher dans la... J'allais dire dans la savane, mais c'était un peu... Ah ouais, je vais vous montrer, on dirait genre une cabane. Je crois que déjà ici ça a servi un peu comme un petit feu de camp, etc. Comme on voit ici au sol, là, il y a un feu de camp, enfin un petit feu, là il y a toujours un petit nid. Il y a un petit nid. Oh, il est pas si petit parce que du coup ça fait ma taille. Du coup, go, continue à s'enfoncer tranquillement, discutons. Faut pas trop que je bouge. Si je bouge en fait, l'arbre là, ici, cet arbre-ci, il fait bouger aussi en fait. Du coup, si je bouge trop, ils vont me voir. Franchement, j'ai une sale tronche. Hein. Il est juste allongé derrière un petit buisson. Moi je dis que moi, vraiment, premier degré, il est debout derrière un arbre. Je te le jure. J'exploserais de rire. Moi, franchement, j'ai même pas de. Pour lui, je me dis, la meilleure cachette, c'est de rester droit et d'être derrière un arbre. Assez gros, ouais. Parce que. Non, mais frère. En plus, c'est quelqu'un, il aime parcourir. Donc, ça veut dire qu'il est pas allé loin. Regardez, mais à tout moment, il est à l'autre bout de la terre. On t'aime, Jason. Et que ça se trouve, ils sont pas du tout où je suis. Parce qu'en vrai, je me suis quand même caché relativement près de la base. Donc, en vrai de vrai, je retape un petit cri. Ouais. Bon, j'espère juste que déjà je passe pas devant lui. Parce qu'en vrai, les gars, moi il est passé devant moi, c'est hilarant. Bien sûr, si ça m'arrive, c'est gênant. Moi je suis pas comme ça, moi je le trouve, moi. Kiki! Bon, on check quand même. Eh les gars, je vais m'enfoncer un peu plus et je vous recheck juste après. Bien, on va voir là-bas. Ah, vas-y. À tout moment, imagine, il est derrière cette ronce là. Ou une autre là-bas, tu vois. Il est pas là. Les gars, je vais péter mon crâne. Je suis revenu au grand nid et j'ai rien trouvé. Non, vraiment pas dedans, t'es sûr? Jordan? Pas dedans, il est vide. Je le trouverai pas, je crois. On va le perdre, on le perdra jamais. Non, on le perdra pas, on va le trouver. Puis si, on l'a peut-être déjà trouvé, moi je suis encore en train de chercher comme un con. Je sais même pas à quelle heure on a commencé, je sais même pas. En vrai, là, les gars, là, je suis pas dedans. J'étais pas dedans du tout. Je le vois pas, je le sens pas, je le. Rien, y'a rien. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en vrai, tu sais, on attend et tout, c'est un peu long. Je vous demande à vous. Vous voyez, j'adore les crêpes. Voilà, l'annonce comme ça. Donnez-moi votre meilleure recette de crêpes. Et Inch'Allah, on la fera. Pourquoi pas? Ça peut faire un petit concept, tu vois, petit concept cuisine, petit concept crêpes et tout. Il est trop fort, hein? Non, il est pas fort. Ouais, on est nul. Moi, pour moi, je te le dis, hein, il est caché derrière un arbre. Non, pour moi, il est raide comme un piquet derrière un arbre. Ah, mais c'est pas possible, wesh. Mais ça, c'est une rivière en fait. Celle-là, avec Jason, on l'a analysée, elle mène tout droit près de Shaitan. Direction l'enfer. Vas-y, let's go. On y va. À tout moment. L'escalade de la rivière. Oh là là, le fou. Et oui, le fou, c'est moi. Et pas Luffy. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça son problème. Et il me téléphone. Je vous jure, c'est lui. Ouais. Et quoi, vous vous trouvez ou quoi? On arrive, on vient vers toi, mais on trace. C'est où? Bah, je me suis peut-être perdu. Et quoi, hein? Il te reste combien de temps là? Bah je sais pas, j'ai démarré à quelle heure? À 5? Je crois qu'il nous reste 10 minutes. En 10 minutes, je suis même sûr qu'en 10 minutes vous me trouvez pas. Cherchez, je suis peut-être un peu décalé de la zone habituelle. Hein. T'inquiète, on arrive, on va te trouver. T'inquiète, là, on est chaud. Donc là, à partir de maintenant, 10 minutes? Non, 5 minutes. Donc alors, à 25, c'est bon alors? Ouais. Ok, je vous fais des cris, ça va? Vas-y.
Là, ils vont trouver. On doit pas être très loin, du coup. Non, non, c'est une folie, c'est une folie. T'as vu, le chemin, il est là-bas. On va prendre le chemin, et du chemin, il y a moyen. Je sais pas combien de temps il me reste, mais ça doit tirer, ça doit tirer. J'entends, il est juste là-bas. Là-bas. Il doit être là-bas. Là-dedans. Quel animal allons-nous trouver? Les gars, je le vois quand même pas, je sais pas il est où, en fait. Ou alors on bait? Non, attendez, c'est fou, il est pas là-dedans. En plus, il va être tiré, je l'ai entendu. C'est une folie, ça. Je sais que t'es là! T'es bien caché, par contre, hein. T'es très bien caché, hein. Oh, il y a moyen que tu sois là en forêt. Je crois que je l'ai. Je peux pas courir, c'est vrai. Il est là-dedans. 100%, regardez, il est descendu là-bas. J'ai le chemin. Il est là. Mais il est pas là du tout. Il est pas loin. Il était là, je l'ai entendu. On l'a entendu. Eh frérot, c'est caché, c'est une dinguerie ici. Il m'emmène au bout de la forêt. Je te dis. Comment, ben. Il doit être où? Il m'entraîne dans des coins perdus. Qui sait? Trouvé! Je l'ai trouvé! Yes! Let's go! Putain, Thomas, il carie trop dans ce jeu! J'ai raté le point de peau! Non! Il était où? Non! Il était juste là! Comment? C'est une folie! Mais j'ai cru que t'étais là-dedans! Moi, j'ai cru que t'étais là-bas! Bref, les gars, c'est une fin de vidéo. Je pense avoir gagné ou pas? Ouais! T'es officiellement le vainqueur. Toi, bâtard! Je pense avoir gagné cette première partie. En tout cas, première édition. Je crois qu'il a 3 points, 2 points et on a 1 point, nous. Bref, première édition, plus ou moins. Normalement, je pense avoir gagné. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé en général ce concept. C'est le début des concepts comme ceci. Putain, il est chiant, j'en ai marre de lui. Bref, dites en commentaire. Attendez, je tiens mes cheveux pour être sûr qu'on a eu une fin de vidéo potable. Peace à vous, les gars. Que du love. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace.